Paget, soyez gentil, invitez cavalier. On le danse trop mal. Faites ça pour moi. Vous y tenez absolument? Absolument. Vous êtes un peu jeune pour faire ce métier-là. Soyez chic. Allez, viens, cavalier. Je veux un peu voir cet homme du monde comment danse les artistes. Non, merci. Sans façon. Allez, viens. Non, mon beau, pour que tout le monde se moque de moi. Non. T'as le bonjour d'Alfred. Allez, viens. Elle est terrible. Voulez-vous m'accorder cette base? Je n'ai pas envie de danser, je suis très fatiguée. Alors nous pourrons peut-être la parler ensemble? Je n'ai pas envie de parler non plus. Alors faisons-la. Il est pourtant gentil, hein? Félicie ne peut pas le sentir. Je suis heureuse de voir qu'il ne s'ennuie pas trop tout de même. Dites-moi, il y a une chose qui m'inquiète. C'est un peu indiscret de ma part, mais... Vous allez épouser votre camarade. Cavalier? Oh, quel bonjour d'Alfred! Je vous demande pardon. Pourquoi employez-vous des expressions pareilles? Les cavaliers, elles sont acceptables. Tout est acceptable, les cavaliers. Seulement de vous, ah non, ça fait théâtre. Merci, monsieur le professeur. Je ne le ferai plus. Je voulais seulement dire que je n'épouserai pas le cavalier. Je peux vous offrir des violettes? Vous pouvez. Si vous étiez fagette, je vous enverrai une bague, mais j'ai l'impression que les violettes vous plairont mieux. C'est vrai. Intelligent ce que tu fais là. Merci. Encore un peu de champagne, cavalier? Non, merci. Tiens à voir Claire. Que voulez-vous dire? Je n'ai pas d'explication à vous donner. Assez! Tu as une façon de se mettre danseuse, toi, alors? Pour une belle soirée, c'est une belle soirée. On peut entrer? Comment vous portez-vous, docteur Socrate? Félicitations, mon jeune ami. Pourquoi? Vous ne frappez plus avant d'entrer, j'en déduis que vous avez fait du chemin dans le cœur de notre charmante étoile. Vous vous occupez de ces choses-là, vous, un homme décoré? C'est du propre. Les amours des autres, c'est tout ce qui me reste d'agréable d'une vie un peu agitée. Vous croyez que nous nous aimons, mademoiselle et moi? Vous permettez que je sois franc? Non. Vous voyez. Permettez. Comme vous sentez bon. Vous vous parfumez comme une cocotte. Alors, Félicie? Quoi? Vous refusez toujours de sortir avec moi? Qui vous a dit ça? Vous, jusqu'à présent. Attends-moi dans un fiacre après le spectacle. Au coin de la rue Tourneau. Tiens, cavalier! Bonsoir, mon cher! Tout le monde, alors. Ce n'est plus une loge, c'est un moulin. Mes compliments tout de même à la meunière. Ça n'est pas la faute de ce pauvre cavalier. Monsieur Ligny avait laissé la porte ouverte. Vraiment? Eh bien, quand on est entré, on ferme la porte aux autres. On recommence dans 5 minutes. Au revoir. On recommence dans 5 minutes. On recommence dans 5 minutes. On recommence dans 5 minutes. Et ici? Laisse-moi. Alors, cette comédie va durer longtemps? Oui, c'est bien entendu. Je ne pourrais plus jamais te voir seul. Je ne pourrais plus jamais entrer dans ta loge sans voir ce Ligny installé comme chez lui. Tu recommences.